à l'Assemblée, on a utilisé tous les leviers parlementaires possibles. Hein. Le travail d'amendement que nous avons fait n'était pas un travail d'obstruction parlementaire, c'était un travail de proposition pour modifier crucialement le texte, parce que il n'y en a rien à garder, clairement. Les ordonnances sont un projet de régression sociale qui va procéder au remplacement du chômage de masse, en tout cas c'est l'ambition, même si je doute qu'ils y parviennent, par plus de précarité. Alors que nous, l'idéal que nous portons, c'est une relance de l'activité pour relancer l'emploi, et d'ailleurs pas n'importe quelle activité, et un code du travail qui soit vraiment émancipateur et protecteur. Donc maintenant que le gouvernement est passé quand même très rapidement, que le Conseil constitutionnel que nous avions, auquel nous avions déposé un recours l'a balayé d'un revers de la main, il reste la mobilisation populaire. Et moi je vais dire, c'est pas quelque chose qui m'inquiète, c'est plutôt quelque chose qui me rassure, parce que j'ai commencé la politique au moment de la bataille contre le CPE, j'ai donc vu de mes propres yeux qu'une loi qui avait été ratifiée, eh bien la mobilisation pouvait avoir raison d'elle. Voilà, donc je pense que c'est ce qu'il faut que nous construisions, d'abord par la contagion. Celles et ceux qui ont compris le texte doivent faire l'effort de l'expliquer à trois autres autour d'eux au moins. Voilà.